YouTube, you already know. C'est ton boy, Prince Yao, aka Vive Nation. Donc, merci d'être branché sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, comme d'habitude, je suis là, je suis encore posé pour regarder le clip du jour qui est Fofo Scarfo, Petit Pays. Hein? Donc, si vous ne connaissez pas Scarfo, attendez, intro. Swimming in the dark, but a string of decent words never was my own luxury. I have to take it over. Ouais, c'est ça. Merci d'être branché. So, si vous ne connaissez pas Fofo Scarfo, c'est un Togolais et c'est un artiste qui a du talent. Il est top. Ouais, là. Donc, nous allons partir regarder son nouveau clip qui est Petit Pays. Là, je vous demande de s'inscrire ou bien de participer, c'est ça quoi, vous voyez. Là. Donc, participer en commentant et en likant, partager et faites tout ce que vous voulez, les amis. Donc, le plus important, n'oubliez pas de s'inscrire sur ma chaîne YouTube, Prince Yao, et allez me suivre sur les réseaux sociaux, Prince Yao. Sur Instagram, c'est @princeyao92. Donc là, vous avez compris. Quoi. Merci, merci. Encore une fois, merci, merci. Je suis à 300 quelque chose inscriveurs. Donc là, je vous remercie, les amis. Je vous remercie pour le soutien. Je vous remercie pour tout. Et bon, trop parler, c'est maladie, comme d'habitude. Alors on commence. Fofo Scarfo, Petit Pays. Oh, c'est un featuring. Thomas Agbozo. Shout out to Thomas Agbozo, man. Okay. Your boy Vicious. Produit par Your Boy Vicious. Shout out to Your Boy Vicious. Bon, en fait, il dit petit pays, ceux qui... J'ai du mal à vous expliquer, et là, tu es bon. Si quelqu'un parle l'élevé ou bien le mina, allez-y dans le commentaire et dit, et là, tu es venu, ceci. Ouais, non. Donc, c'est ça, les amis. Belle pays de paix, mais dans tes yeux, il y a de la peine. La colombe a-t-elle perdu ses ailes? Oui. On va aller en arrière. Il dit, j'ai pas... J'ai pas ton nom tatoué dans... J'ai pas ton nom tatoué dans... Ok. La peau, car je l'ai tatoué dans mon cœur. Et quand tu pleures, moi je pleure. En fait, là, il dit Elaïma, ce qui veut dire est-ce que ça peut aller. Vous voyez, non? Donc, c'est une chanson qui est dédiée à son pays. Je pense, si c'est, je pense qu'il parle du Togo parce qu'il est Togolais. Je pense sûrement qu'il parle du Togo parce qu'il est Togolais. Et là, bon, comme vous le voyez, si ton pays ça ne va pas, si quelque chose ne va pas bien dans ton pays, tu peux avoir le courage. Tu peux avoir le courage de te dénoncer et dire, bon, là, ça, c'est pas bon, là, ça, c'est pas bon, là, ça, c'est pas bon. Vous voyez, Nadine, qui est là. J'apprécie son effort. Je kiffe son courage. Il y a peu d'artistes, quoi.
qui s'intéresse à ce genre de trucs ou bien qui s'intéresse à ce genre de lyrique là. Je kiffe grave quoi, vous voyez, je kiffe grave. Shout out to you for ce qu'il faut, man. Là aussi c'est vrai, des enfants fuient vers d'autres terres. Let's go back. C'est ça, il dit, les enfants fuient vers d'autres terres. It's true. Tu vois, il y a l'immigration dans tout. Spécialement, il y a l'immigration en Libye et autres. Et là-bas, ça ne va pas pour nos frères africains, vous voyez. Donc la peau noire souffre, même en Afrique. True. Il dit, pourquoi portes-tu le treillis? Oh my God. Bon, je vais continuer et on va en parler. Des enfants se sont trahis. Ouais. Des enfants se sont trahis. Bon, moi, je vais en armée, on vous forme pour protéger la population. Vous voyez, non? Mais c'est le contraire. On vous forme pour être contre la population. Là, ça veut dire, il dit, pourquoi portes-tu le treillis? Les enfants se sont trahis. Donc là, ça va directement aux armées et partout en Afrique, quoi. Vous voyez, non? Donc, quand le président dit, allez, fais ceci, il suit bêtement. Vous voyez, non? Donc, mais contrairement aux Occidents, c'est pas la chose. Quand même le président dit, allez, fais ceci, il y a quelqu'un qui peut dire, bon, excuse. Il y a quelqu'un qui étudie la situation, quoi, pour dire, bon, est-ce que ça, c'est une bonne idée? Vous voyez, non? Mais en Afrique, c'est pas le cas. Quand le président dit, allez, fais ceci, il suit bêtement. C'est ça le clip. Et il va sortir son album le 13 janvier. Allez-y, restez branchés pour son album. Son nom c'est Fofo Scafo. Donc n'hésitez pas, allez-y, cherchez son nom Fofo Scafo et vous allez le trouver. Il est togolais. Je kiffe ce clip, je kiffe le travail dans ce clip. L'image, la vidéo, la direction de la vidéo, c'est-à-dire, tu vois, tu te sens être africain, quoi. Vous voyez, donc là, j'ai kiffé. Et
quand tu vois la vidéo, faut que tu sentir que tu es africain. Tu es africain. Là, c'est prouvé. Vous voyez, donc, aussi, quand je vais aller en arrière pour parler de la vidéo, bon, tout, qu'est-ce que je vais encore dire? Bref, il a tout montré. On sent que là, ça, c'est l'Afrique. Vous voyez, donc, même si tu n'es pas dans le... dans la vidéo, tu n'es pas là le jour qu'ils sont en train de filmer la vidéo. Tu es connecté automatiquement parce que tu as le son africain. Là, je kiffe. Je donne shout-out to Fofo Scafo. Et à l'instrumental, le beat, shout-out to your boy Vicious. Il a tué le beat. Ouais, piano, il y a piano. Il y a piano, il y a guitare qui a commencé le son. Là, ça donne la chair de poule. Vous voyez, donc, je kiffe le son. Bon, en fait, elle a chair. Je suis en train de penser comment je vais expliquer elle a chair. Elle a chair, ça veut dire, je pense, mais selon moi, ça veut dire quand tu souhaites quelque chose de bonheur pour quelqu'un ou bien pour toi-même, là, on dit elle a tché. Ça, c'est la langue mina. Et ou bien c'est une... comment on dit ouais, c'est ça, c'est la langue mina. C'est la langue mina. Et je sais pas. Prenez-le. Donc, je kiffe le clip. Fofo Scafo, shout out to you. Mon nom, c'est Prince Yao, a.k.a. Big Nation. So, prop. Make sure you subscribe, man. See you next time. Peace.